bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc là, je voulais vous proposer une carte, on peut dire une petite création, une carte à voler. Avec moi, je vais me servir des grands dies d'action parce qu'il me faut absolument cette garniture du haut. Mais si vous n'avez pas ces grands dies, vous pouvez faire avec des bordures d'action. C'est faisable aussi. Donc là, j'ai pris un papier blanc, mais vous prenez le papier que vous voulez. Vous pouvez prendre imprimé un peu ce que vous voulez. Tout dépend comment vous voulez faire votre création. Donc, j'ai pris un papier de 24 cm. Je vérifie quand même, pour ne pas vous dire de bêtises. De 21 cm de long, et non 24, sur 11,2 mm. Voilà. C'est la longueur, c'est ce qu'il me faut. Et la largeur, c'est celle de ma garniture du haut. Donc, moi, je vais prendre le plus grand. Si vous avez ce genre de die, donc je prends le plus grand parce que les autres me serviront à faire mon habillage. Je prends le plus grand. Je le place sur le haut. Simplement sur le haut, parce que je veux juste la garniture du haut. Donc, j'essaye de m'arrêter du bout au bout. Donc, je vais mettre, bien sûr, un petit scotch, ce que je n'ai pas. Donc, je prends des papiers comme ça, où j'en ai pas mal. Donc, je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc là, je vais prendre... Vous prenez du scotch, vous prenez un peu ce que vous voulez et vous la mettez, bien sûr, sur le haut de votre carte, juste pour avoir la garniture, bien de là à là. Voilà, là, je mets ça. On va la mettre comme ça, bien. Et là, vous faites que la découpe sur le haut de votre die. Je passe sous la machine et je vous le montre. Voilà. Ça vous donne ça. Donc là, vous avez, dites, vous la découpez un peu. Ah. Là, vous avez une petite encoche. Vous l'enlevez, bien sûr. Ça vous donne ça. Une fois que nous avons fait ça, on va faire trois découpes de rectangles. Alors, j'ai pris, ça fait... 13,2 de longueur sur 8 cm de large. J'en fais 3. Une fois que j'ai fait 3, je porte les mesures suivantes. Je mets 1 cm, je mets un point. Du point d'un cm, je mets 11,2. Et ensuite, il me restera 1 cm. Je fais pareil sur le bas, 1 cm, 11,2, et il me reste 1 cm. Ensuite, je mets ma règle sur les deux points où je fais un pli. Vous faites comme vous voulez avec votre appareil ou comme moi avec votre main. Et on fait un pli comme ça. Donc, pareil de l'autre côté. Donc, c'est... Voilà, c'est... Je vais m'y retrouver. Je ne peux pas parler... Et travailler, ça c'est pas possible. Donc on a fait deux plis, on a deux languettes. Une fois qu'on a fait ça, on fait les autres aussi pareil. Donc là, j'ai pas pris la mesure. Donc 1 cm, 1 cm, 11,2 et 1 cm. Donc là, je fais pareil pour mes trois. Je fais pareil pour mes trois rectangles. Donc, je plie les deux languettes et je fais la troisième pareil. Excusez-moi. Pardon, j'ai un petit peu pris froid. Il ne fait pas très chaud chez moi. Donc, le deuxième et le troisième pareil. Ensuite, vous reprenez votre die, ce que vous avez fait avec le grand. Vous allez placer, bien sûr, bien plié comme ça. Vous allez placer votre garniture, voyez. Regardez, à partir, voilà, vous la mettez bien et on va découper simplement le haut.
Voilà, on essaye de ne pas venir ici, il ne faut pas découper la languette. Du haut jusque là, voilà, jusqu'au bout. Je fais ça avec ma machine et je vous reprends. Donc, une fois découpé, on obtient ça. Vous n'allez pas jusqu'au bout, donc vous avez la languette ici, vous voyez. Vous avez la languette, je ne veux pas être torchant. Donc là, ici, vous allez, ça ne va pas jusqu'au bout, vous découpez un petit peu. Voilà, ici, vous continuez un petit peu votre petit point pour que ça coupe. Et là, vous avez la languette. Donc là, vous allez découper, voilà, droit fil. Voilà, et ça vous donne ça, votre petite languette. Je recommence, donc j'ai fait pareil pour celle-ci. Donc, j'ai plié, j'ai posé, vous posez la bordure ou votre décoration. Ça vous donne ça. Donc ici c'est la languette, j'enlève ici puisque ça a découpé le motif un peu. Ici c'est pareil. Et la troisième, identique. Voilà, j'espère que vous suivez bien jusque là. Une fois qu'on a fini ça, c'est toujours... sur notre décoration, nous allons plier, voilà, la languette, on la plie, on prend, je prends le milieu de ma figure, donc moi c'était 11,2, donc ça fait 5,6, vous prenez le milieu, tout dépend de ce que vous faites comme garniture sur le haut, donc vous mettez le milieu du haut plus le milieu du bas, et là où vous tracez un trait et vous découpez avec vos ciseaux. Moi, je vais prendre ma petite découpeuse et je vais mettre mon point que j'ai pris sur mon... Voilà, je vais prendre mon point sur ma pointe. Voilà, je fais ça doucement. Et je découpe. Ça me donne ça. Voilà ce que ça me donne. Donc, j'ai découpé mes trois petites figures. Et là, je vais les coller sur ma création. Donc, j'ai la petite languette. Je fais déjà le haut. Je commence par coller la languette du haut. Donc, je mets de la colle sur la petite languette. Et je la colle sur le haut, bien sûr, en mettant bien comme il faut. Voilà, ma garniture. Je la place comme ça. Je fais l'autre côté. Je fais l'autre côté. Donc... je prends bien sûr celle qui est adaptée. Je prends l'autre côté. Je mets bien, hein, vous voyez, ça doit être bien. Je mets de mon côté, excusez-moi, parce que là, je mets la suivante. Voilà, j'accroche, voilà, mes petits volets à ma carte. Ça va faire une carte bien comme il faut. Vous l'accrochez bien, que ça fasse bien. Voilà. Une fois que vous avez fait accrocher celle-ci, vous accrochez celle du bas. Vous commencez par celle du bas. Donc, on va mettre de la colle sur la languette du bas. Et là, je la place comme ça, bien au bord, bien sûr. Ensuite, je mets l'autre partie, bien sûr. Je la place sur le bas. Bien au bord, je regarde bien qu'elle ferme bien, faites attention, mettez-la très très, pour pas qu'elle fasse, pour bien la mettre, là je vérifie, parce qu'avec ma colle ça bouge un peu. Donc là, une fois que vous avez fait le bas et le haut, vous pourrez placer celle du milieu, donc il faudra placer celle de milieu bien droite, donc vous devez bien mettre, bien la placer, vous voyez, là. Je vous montre bien. Vous surélevez. Voilà. Celle-ci doit être comme ça. Sur le milieu. Vous voyez. Vous la placez. Vous essayez de la placer correctement comme ça. Qu'elle doit être bien au centre. Ça doit être un bel écart entre les deux. Voilà. Je mets de la colle et je fais ça.
Donc je la tourne de mon côté, maintenant que je vous ai expliqué. Et là, je vais la coller, bien sûr, en regardant bien qu'elle a le même écart que l'autre. Et faites attention, ça bouge là. Hein, ici. Et je vais mettre l'autre dans l'autre sens. Arriver de l'autre côté et faites attention, là vous regardez bien qu'elles soient bien toutes les trois pareillement sur le même axe de l'ouverture. Je vérifie. Attention de bien les mettre bien l'une à côté de l'autre. Et là, je pense que c'est parfait. Voilà votre carte. Votre base de carte. Et là, vous la décorez comme vous voulez. Attention, je prends un petit pic pour soulever ma... J'ai plein de choses sur mon bureau, mais quand je cherche ce que je veux, je ne trouve pas. Donc voilà. Là, ça a dû coller. Voilà. Je vous dis, ça doit vous donner ça. Voilà, comme base de carte. Maintenant, nous allons commencer la décoration. Pour l'habillage, vous faites l'habillage que vous voulez. Moi, je voulais faire un crabe. Vous pouvez faire avec des papiers imprimés. Donc, il suffit de prendre... Moi, j'ai pris le die qui va juste en dessous du grand. Donc, j'avais le grand, j'ai pris le die en dessous. Par contre, vous, vous reprenez votre bordure ou votre die. Vous refaites la mesure. Vous descendez un peu plus bas et vous enlevez 1 mm, 1 mm. Et ici... 1 à 2 mm, hein. Vous pouvez même mettre 2 mm, 2 mm pour faire votre vos petits liserés. Donc vous en découpez 3 puisque vous avez celle de... Ensuite vous en redécoupez un autre que vous coupez dans le centre et vous refaites pareil pour l'habillage, vous redessinez, vous remettez un comme ça, vous coupez un deuxième, un troisième et vous habillez toutes vos parties. Voilà, toutes vos parties. Donc, moi, je vais le faire et je vous reprends ensuite. Alors, j'ai fait mes découpes de recto verso. Alors, elles sont là, les deuxièmes. Voilà. Celle du centre. Là, voilà. Maintenant, je vais les coller. Donc, je vais coller déjà celle qui est au centre de ma carte. D'abord, avant de les coller, bien sûr, je les encre. Vous les ancrez bien. Je vais les ancrer, bien sûr. Je vais faire tout ça en accéléré. Maintenant, je n'ai plus qu'à les coller. Donc, je décolle. Je colle celle du milieu déjà. Je la mets au centre. J'essaie de bien la placer, bien sûr. Hein, la première. Je ferme mes petits volets. Je vais mettre mon premier petit volet. Je vais mettre le suivant à côté. Le troisième, c'est bien ça, je regarde les numéros parce que je mets des numéros moi. Comme ça, je sais que ça tombe. C'est le numéro 2. Ensuite. Toujours le numéro 2 de droite et gauche. Donc, si vous n'avez pas les grandes dailles, parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les grandes dailles, ce n'est pas grave, vous faites avec... oh, attention, là, ça a bougé. Vous faites avec vos dailles bordures qui ont des jolies...
des jolies formes. Moi, j'avais celui-là, donc ceux qui ont les grandes dailles d'action, ils peuvent travailler avec. Ensuite, je l'ouvre. Attention. Faites attention que ça ne bouge pas, parce que sinon, on va se retrouver avec un petit problème. Regardez, ça a bougé. Là, c'est pas... Voilà, je mets bien. Voilà. Attention, là, ça a bougé. Il faut que je descende. Je vérifie bien quand même. Voilà. Je vais un peu vite et je vérifie pas. Donc là, je vais... ouvrir ma carte. Je vais prendre ceux de l'intérieur. Donc c'est le numéro 4. 4, 4. Donc c'est celle-ci. Un petit peu en haut. Celle-ci, c'est le numéro 4 aussi. Ensuite, on a le numéro 5. Donc ça, c'est le numéro 6, 6, 5 et 5. Voilà, ça, c'est les deux 5. Je les note parce qu'il peut y avoir une petite différence, un petit peu de taille, etc. Parce que comme on colle 5 ici, la 5 aussi. Une bêtise, ça c'est la 5 et là donc c'était dans l'autre sens, je me suis trompée, donc je vais la mettre en bas, c'est pas grave. Là je vais mettre celle-ci à la place, la 6. Il me manquera celle du milieu. Oh, je fais une bêtise encore. Oui, même moi, j'ai du mal. Mais on va y arriver. Donc, j'ai collé tout mon habillage, recto, verso. Donc là, j'ai eu un petit problème, mais bon, c'était dans l'autre sens. C'est pas grave, puisqu'il y aura des décorations. Ensuite, je ferme, voilà, ma carte. Et là, je voulais lui mettre des petites attaches. Donc, pour les petites attaches, pour les faire, donc j'en ai fait une pour vous montrer un peu le modèle. Donc, j'ai pris un rectangle de 4 cm de long sur, je ne me souviens plus, excusez-moi, attendez, que je ne dise pas de bêtises. 4 cm, oui, c'est ça, sur 2 cm de large. 4 cm sur 2 cm, j'ai découpé en biais des deux côtés pour faire une petite pointe. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est celui-là, et à l'intérieur, j'ai fait deux petites étoiles pour faire un petit peu joli. Ensuite, je les ai collés sur du papier craft pour avoir, bien sûr, mon papier craft. Donc là, je vais vous montrer un peu. Donc, je le colle sur du papier craft. J'ai pas mal de choses sur mon bureau, donc c'est pas évident. Donc là, je mets de la colle. Comme je veux un peu mon motif craft, je le pose sur du papier craft comme ça. Je prends mon ciseau et je découpe à 1 mm de ma petite figure. Attention qu'il ne bouge pas quand vous le collez, parce qu'il faut attendre déjà que ça colle avant de pouvoir faire quelque chose, bien sûr. Hein? Et là, vous faites un petit millimètre autour. Ça fait un petit liseré. Donc, vous obtenez ça. Donc, c'est des petites attaches que je fais moi-même. Si vous avez des dailles, vous pouvez faire avec des dailles. Vous faites un peu comme vous voulez. Donc, il nous en faut 3. Je rajoute la troisième. On ne va pas les... Comment dire? On ne va pas les attacher. Hein. Vraiment, c'est...
décoratif. C'est juste pour la poser, pour faire très joli. Là, donc je fais mon troisième. Donc vous les découpez avant de coller vos illustrations, parce que vous ne pouvez pas les mettre, ou alors vous les mettez comme vous voulez. Moi, je vous montre un peu ma façon de faire. Donc j'ai mes trois petites attaches pour mon dessus de carte. J'attends un peu parce que ça colle. Hop, là, j'ai l'impression que ça a bougé un peu. Je trouve que c'est pas très bien parfait. Donc voilà, je le monte un peu plus haut. Voilà. J'ai mes trois petites attaches. Ensuite, après, pour illustrer ma carte devant, donc mes attaches deviendront comme ça. Voilà, elles seront comme ça, il y en aura une comme ça, mais elles seront simplement collées sur une, donc ça restera comme ça, c'est juste pour faire joli, c'est pas vraiment pour attacher la carte. Voilà, donc là, on va faire des illustrations. Pour des illustrations, bien sûr, j'ai travaillé avec ce die, là, ce livret, donc j'ai pris cette page, donc, avec des petits personnages. Je voulais des petits personnages doubles comme ça. Donc, j'ai pris celle-ci. Je l'ai fait deux fois. Donc, vous pouvez aussi les imprimer. Et j'ai pris celle-ci une fois. Une fois que j'ai pris ces photos, voilà, ça me donne ça. Ça me donne ça. Je les ai détachées. Parce que si je les mets comme ça, ça serait trop grand. Alors, vous me connaissez, je les ai détachées. Donc, je découpe la petite fille. Faites attention, le petit garçon a le panier. Donc, on va lui laisser, bien sûr, le panier. Donc, j'ai découpé la petite fille comme ça, bien sûr, bien des petites formes comme ça. Ça vous donne ça. Et le petit garçon, comme ça. Tout autour. Là, vous faites une jolie illustration pour pouvoir la mettre dessus, bien sûr. Et le petit garçon, ça vous donne ça. Donc, je les ai dépareillés. J'ai fait pareil pour la petite fille avec la petite ombrelle que j'ai pris. Alors, attendez, je vous la montre. Voilà, elle est là. Donc, je l'ai bien détachée. Et j'en ai refait une autre petite ombrelle, bien sûr, avec la petite fille, avec la petite ombrelle. Je vous ai fait une carte, je vous ai dit le parapluie, mais bon, le soir, vous savez, pour trouver mes mots, c'est bien une ombrelle qui est là. Voilà, donc je les ai ici, et maintenant, je vais les disposer sur ma carte. Je vais essayer, donc, je voulais mettre celle-ci sur le milieu. Et attention, vous les mettez bien dans le bon sens, hein. Et là, la petite ombrelle, donc c'est comme ça. Et là, celle-ci, c'est pareil. Donc, attention qu'elles se regardent bien, comme ça. Vous les remettez comme elles étaient je vais pousser parce que là, je suis un peu hors champ. Comme elles étaient sur votre bloc action. Et là, je vais mettre mon attache. Donc, il va falloir que je la colle. Faites attention quand vous posez votre image, qu'elle ne vient pas sur l'image. Donc, essayez de la mettre, voilà, qu'elle ne touche pas l'image. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà coller nos petites attaches avant. Donc, pour coller mon attache, je les colle sur le côté, ce côté, ici. Donc, et je colle quel côté? La moitié. Donc, je vais coller, mettre de la colle sur la moitié. Et je vais la mettre ici, sur le milieu. Attention, sur le milieu, comme ça. Attention qu'elle ne bouge pas. Je vais faire pareil pour celle-ci. La moitié. Je ne colle pas l'autre moitié. Je me répète. Attention. Je la mets au milieu. Ça donne ça. Et je fais pareil pour la troisième. Et j'attends bien sûr que ça colle. Bien au milieu, parce qu'elle se remonte comme ça. Vous voyez, on ne va pas mettre pour attacher. C'est vraiment pour qu'elle tienne comme ça. Voilà, que ça fasse joli comme ça, bombé. J'attends bien que ça colle avant de mettre mes illustrations.
Maintenant, je vais coller mes illustrations. N'oubliez pas d'ancrer vos illustrations avant de les coller. Donc, je mets ma première. J'essaie de les placer. Vous savez, elle bouge, attention. Placez pas trop devant la tâche, qu'on puisse la voir quand même. Je mets la première comme ça. Alors, le petit garçon est où? Il est là. Faites attention de ne pas vous tromper, bien sûr. Donc, le petit garçon, je vais le mettre là. Je vais essayer, même s'il faut un petit peu rentrer sur mon attache, comme ça. C'est dommage, on ne voit pas le panier. Et ça m'embête qu'on ne voit pas le panier. C'est dommage. C'est dommage. Je regarde, mais on ne voit pas le panier. Trop dommage, mais on n'a pas le choix. Donc, j'essaye de bouger un peu mon attache. Essayez de la bouger comme ça, sur le milieu, celle-là. On voit un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Ça vous donne ça pour la première, celle du milieu. Ensuite, je vais mettre celle du haut. Donc, je vais mettre la première. J'espère qu'elle va aller. J'essaye un peu de la rentrer sous la tâche aussi. Dommage, c'est que voilà, oh, ça va aller mieux. Je la mets, vous placez qu'elle soit vraiment, qu'elle place bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que c'est vrai que la tâche, il faut tenir compte de la tâche. Donc, je vais mettre celle-ci en dessous, je colle mes illustrations. Je vais mettre mon téléphone sonne, mais je ne réponds pas. Car je suis occupée. J'avais pas tenu compte de la tâche que ça pouvait un petit peu impacter mes images. Mais bon. Je vais essayer un peu de descendre. Comme c'est de la colle action, donc on peut bouger encore. Ça n'a pas bien collé, donc essayez de mettre vos attaches au mieux. Là. Ça vous donne ça. Donc maintenant nous allons décorer l'intérieur de la carte. Donc toujours avec mon bloc, je vais le mettre à l'endroit quand même. Mon bloc action, j'ai pris une illustration. Donc j'avais celle-ci qui me plaisait beaucoup. Donc toujours hein, en haut votre garniture. Ensuite c'est la troisième. Donc vous enlevez 5 mm, 5 mm après celle-ci hein, pour avoir la garniture. Donc là, je n'ai plus qu'à la coller, mais avant de la coller, je vais bien sûr la ancrer. Je suis restée toujours avec un petit peu avec le papier de ce livret. Voilà, je referme pour pas que ça s'évapore. Là, je vais coller. On n'entend que des cliquetis avec mon bracelet. Des moments, je l'enlève en cours de route parce que c'est gênant, mais là, hein, vous le mettez bien. Vous le centrez bien, bien sûr. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais décorer les volets. Donc, pour les volets, je suis partie pour des petits médaillons. Donc, je me suis servi, vous savez très bien, avec les dies d'action. Donc, j'ai pris cette planche-ci et j'ai pris celui-ci. Voilà, avec des petits, un petit ovale avec des petits cercles. Donc, ça m'a donné ça. Le papier toujours dans le même bloc. J'ai pris un joli petit rose pastel à fleurs. Donc j'en ai fait 6 que je vais coller bien sûr sur mes volets. Donc là, je les colle les 6. J'en mets un ici. Après, moi, c'est des idées que je vous donne. Hein. Je me répète chaque fois, mais vous faites un peu ce que vous voulez en décoration. Moi, je voulais simplement vous donner cette idée de cartes hein, que je trouvais assez sympa à faire. Hein. Là, j'ai mis les roses à l'envers. Voilà. Donc, il y a quand même un sens avec les roses. Il ne faut
que je fasse attention. Donc c'est dans ce sens-là. On ne se rend pas compte, je regarde bien, oui. On ne se rend pas compte, mais elles ont quand même un sens. Ouais. Je mets mes 6 médaillons sur mes volets. Après, vous pouvez les décorer comme vous voulez. Faire plein de choses avec vos die-actions et vos papiers, bien sûr. Après, si je vous les montre, c'est pour au cas où vous voulez refaire la même. Pour pas que vous cherchiez vos matériels. Si vous avez les die, si vous avez les papiers, si vous voulez faire exactement la même. Ça vous donne ça. À l'intérieur des médaillons, donc vous pouvez toujours prendre les petits cœurs qui sont à l'intérieur, mais moi je voulais pas trop me fatiguer, comme j'ai une perforatrice qui fait des petits cœurs, donc je vais pas me gêner, je vais me reposer un peu. Désolée pour vous, donc je vais faire des petits cœurs que je vais mettre bien sûr à l'intérieur de mes médaillons. Donc j'ai doublé la le papier pour que ça m'a fait deux. J'en ai déjà coupé. Voilà. Donc, j'ai mes petits cœurs par double. Et là, je vais les coller sur mon médaillon. Après, vous pouvez mettre des lettres, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Si vous avez des dies un peu beaucoup plus élaborées que moi. Moi, j'essaye de vous travailler vraiment avec les dies d'action. Je pourrais bien sûr vous travailler avec des autres, mais comme vous n'avez pas le matériel, ça va être compliqué pour vous de refaire un petit peu exactement la même. C'est pour ça que je me limite un peu avec votre matériel action. Alors, je mets ça sur les quatre. Donc, je regarde bien parce qu'elles ont un sens. C'est un peu embossé. Mon die est un peu embossé. Donc, je la trouvais assez chouette, donc bien sûr ce n'est pas ma création, mais je l'ai un petit peu adaptée à ma façon et avec vos produits d'action. Ça vous donne ça. Une fois qu'on a fait ça, j'ai fait aussi une garniture sur le haut. Pour la garniture sur le haut, je me suis servi de ce matériel. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai fait toujours dans le même ton de fleurs, une grande comme ça. Et à l'intérieur, bien sûr, j'ai fait l'ovale, bien sûr, qui est à l'intérieur. Parce que dans cette planche, vous avez les deux. Vous avez les deux. Donc, j'ai découpé la grande comme ça. Et j'ai fait une petite marron comme ça pour mettre à l'intérieur. Donc, déjà, je vais coller. Avant de la coller, je voulais... Moi, c'est une idée que je vous donne. Donc, vous faites la décoration que vous voulez et comme vous voulez, ou une illustration. Moi, je vais mettre simplement, je vais tamponner. Donc, je vais prendre mon tampon, toujours fait avec amour. Je vais voir s'il peut aller à l'intérieur. Oui, très, très bien. Donc, je vais faire celle-ci. Ce sera plus facile pour moi. Vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai acheté ce tampon en dose et je trouve qu'il résume vraiment tout ce qu'on fait. Donc, alors, je vais mettre un papier en dessous. Comme je vous dis tout le temps, il ne faut pas mettre dans du dur. Donc, il faut toujours mettre un peu de mou. Et là, je vais essayer de faire, bien sûr, centré. Mon tampon. Hop, voilà ce que ça vous donne. Donc moi, je vais le mettre ici, je vais le coller là.
comme j'avais beaucoup d'illustrations, donc je me suis dit un petit tamponnage, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez le mettre avec la colle ou en hauteur, ça c'est vous qui décidez. Donc voilà, ici moi je le colle avec de la colle. Par contre, pour le placer sur ma carte, je vais le mettre avec mon scotch double face hauteur. Il a glissé parce qu'il n'est pas encore bien collé. Et là, je vais le mettre comme ça. Voilà ce que ça vous donne l'intérieur de la carte. Voyez, vous vous amusez, on s'amuse plutôt et vous vous détendez. Surtout, le scrap, c'est de la détente, c'est pas de la compétition, c'est vraiment se sentir bien. Une fois qu'on a fini ça, je vais retourner ma carte dans l'autre sens, voilà, comme ça, vous voyez, ça n'attache pas, c'est vraiment pour faire une garniture comme ça, ça vous donne ça. Donc j'avais des chutes qui étaient tombées de mes attaches, donc je ne vais pas perdre, j'aime pas perdre, donc je vais les placer sur le haut, ici, je vais en mettre une là pour faire joli. Vous vous décorez bien sûr comme vous voulez. Moi, je vais mettre une étoile ici. Et je vais mettre une étoile ici, de chaque côté. Je vais faire pareil pour mes deux volets. Ici, ici. Donc, je regarde, j'ai perdu déjà une étoile. Donc, je la mettrai après. Vous savez très bien que je perds toujours. Je perds toujours mes affaires. C'est une habitude. Là, je vais mettre un. Je regarde sur ma table de travail. Je ne vois pas l'autre. Je regarde un peu. Je vois qu'une étoile. Après, j'ai des autres étoiles. Mais ce ne sont pas la même dimension. Regarde, je la vois pas, ce n'est pas grave, je la mettrai hors caméra, ça vous donne ça. J'ai passé un moment très agréable avec vous, j'espère qu'il a été de même pour vous. Donc nous avons fait une carte ensemble avec les grandes dies d'action, mais comme je vous le disais dans toute ma vidéo, vous pouvez aussi les faire avec les bordures d'action. Donc je trouvais que c'était assez jolie comme carte, alors je me suis dit pourquoi pas vous la proposer, ça vous fera toujours une carte supplémentaire à offrir. Je voulais vous remercier, remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.